Ah là c'est vraiment en du based hein, clairement. Ah mais j'en peux plus de cet archer. Je vais te mettre ton arbalète ou ton arc dans le cul là sur l'arbalétrière. Mais toi. Mais toi. Toi. Viens l'enfoiré. Ok, il y a un cristal juste là. Il est où ce bâtard? Il y en a deux. Nique-toi. Allez. Bâtard. Mais. Saloperie. Ok. On est bon. Yes, yes, pas attends. Bon. Ok. Alors. Ah, ça, je crois qu'on pouvait redescendre là, c'est ça. Parce qu'il y a pas mal de trucs cachés pour le coup. Le level design du jeu est assez inspiré, pas extraordinaire, mais il est quand même pas mal. Grand Tortanas, j'ai trouvé la preuve qu'il existait un Lord Rogar réputé pour son armure impénétrable. Son bouclier était imbu d'un pouvoir formidable. Il me protège tant du mal, car ils ont été construits en même temps que Clave. On comprend mieux alors qu'il ait eu à sa suite les disciples les plus dévoués. Oh merde, j'en ai deux des élites. Ok, de 1. Oh, il a volé. Allez, ché. Bon, le clone, c'est quand même pratique, hein. Ça les a bien occupés, ces débiles. Ok. Alors. Donc là, par contre, ça parlait d'une armure impénétrable dans le lore, là. S'ils en parlent, c'est qu'on peut la looter, bien sûr. Symétrie. Courage. Ah, mais il y a une armure encore plus lourde, la symétrie. Ah, mais j'ai tellement pas la... Non, mais si je mets ça, je peux plus bouger, moi, c'est ça? Attendez. Et je peux même pas attaquer. Ah ouais, là, genre, je suis une... Je peux me protéger, mais je peux plus taper. On va mettre de l'enduit, hein. Va falloir mettre de l'enduit à un moment. Sans chaud... Attendez, sans chaud, armure légère, ça a plus de... Attendez, c'est ouf l'armure, par contre, qu'elle fait, sans l'armure chaude, là. Sans chaud. Ah ouais, elle fait quasiment autant d'armure que... Que mon armure intermédiaire. Elle est vraiment bien. Il n'y a pas de gants par contre. Élément vivant. Ah oui, j'ai eu que la tête et le torse, d'accord. Ok, fais voir la roulade. Ah ça va, ça roule pas mal comme ça. J'ai fait un petit mix d'armure là. C'est pas trop mal. C'est pas mal tout ça. Ah, vous allez pouvoir ouvrir une... Oh, un coffre. On aime les coffres. Élément vivant, souffrance. Ah, nouvelle arme. Il y a pas mal d'armes, hein. Souffrance, marteau 35. Oh. Dégâts magie et poison. Chaque coup de cette massue dissipe un étrange sentiment qui vous engourdit l'esprit et une insupportable souffrance physique, bien sûr. Critère de fois 8, échelle de fois 3%. Ok, ça a l'air stylé, ça a l'air basé sur la magie en plus. Ça a l'air pas mal cette histoire. Je sais pas quelle porte j'ouvre par contre. Ah, d'accord, ok. Ok, ok. Je vois où je suis, c'est bon. Ok. Ça peut être sympa comme ça. Je sais plus tout si on peut améliorer ou pas les armes. Oh là! Ok, elle, elle est vénère. C'est une sorte de mini-boss, hein, je pense. Elle est costaude, hein. Elle est putain de costaude, l'araignée, hein. Ça serait pas un bébé qu'elle fait, là? Merde! Putain, si.
Cam. Ah putain. Bon. En vrai, on va se concentrer sur elle. Allez, esquive! Oh la connasse! Elle est où? Allez! Ouf! Je l'ai eu! Je l'ai eu! Ah, elle était dégueulasse, hein! Bien grosse, hein! Non, mais non, je vais pas mourir contre ces enfants! Et de une! Putain! Et de deux! Le poison fait mal! Ok, alors. Les jeux de lumière, c'est vrai qu'ils sont très très propres, hein, putain. Pour un jeu qui a 9 ans, c'est impressionnant. Alors, c'est quoi le stuff? Pique, marteau lourd, éclat de magie, ok, ça c'est pour récupérer la mana. Le jeu a très bien vieilli, ouais, visuellement. Tout à fait. Très très bien vieilli. Alors attendez, on a une nouvelle arme. Marteau lourd. Généralement si je peux pas l'équiper, ouais c'est que tu vas falloir de la force débile. C'est ça, ouais, échelle de force, d'accord. Voilà, moi faut que je mette des armes sur la foi. En gros l'échelle c'est le scaling. Pour l'exclamation, scaling, j'avais fait une vidéo pour expliquer ça. Bon, il faut des armes qui scalent sur la foi. Il fait mal lui, attendez. Il veut pas venir là? Bouffe! Voilà. Il est pas mort? Mais non! C'est un immortel ou quoi? Bon là? Relève pas enfoiré hein. Putain. Bon, j'espère au moins que je débloque un chouette raccourci. Elle est verrouillée. Oh merde. Toujours comme ça. Ok, là il est mort. Mais elle lootait quoi? Rune scellée petite. Ok. J'en voulais pas qu'il y avait autant de trucs planqués, bordel. Impressionnant. Est-ce que je rate un coffre? C'est une... Non... Il y a un autre étage ici. Passage extérieur, j'ai un peu peur de... Oh là... Oh là là, ça sent... Merci Bad Bull. Non mais ça c'est le truc à la con ça. Ça c'est le truc à la con ça les gars ça. Non mais ça 100% je vais crever si j'y vais ça. Non mais déjà que j'ai plus de vie là... Oh là 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 là, attendez. On va revenir en arrière. J'avais vu un checkpoint là, on va aller prendre le checkpoint parce que j'ai une chier d'XP là. Justement. Et là c'est greedy là. Je me rappelle que j'avais ouvert un checkpoint, je crois, genre ici. C'est ça. Ouais, genre là à gauche. Voilà. Parce que là, j'ai plus de potions de mana, de vie, je veux dire. Qu'est-ce qui se passe là? Où est-ce? Dites-moi. Où est quoi? Partez, ça ne vous concerne pas. Poussez-le dans le vide ou relâchez-le. Oh non, ils ont été gentils, non. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais un mort ne pourra pas vous renseigner. Ça doit être ton jour de chance, l'enfant de cœur. Quel était le problème? Ce sont des menteurs, et pire encore. Non contents d'avoir volé les trésors de ma famille, ils ont aussi dissimulé le portail.
Le portail ? Le portail ? La voie vers des lieux inaccessibles autrement. Des lieux regorgeant de secrets et de pouvoirs. C'est là que je me rendais quand les regards sont apparus sans crier gare. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle est encore là ? Le grimoire d'ascendance l'affirme. Et il ne ment jamais. Ces boîtes des voleurs. Je les prenais plutôt pour des rats bibliothèques. Ne vous faites pas plus idiot que vous l'êtes. Les gens d'ici sont aussi corrompus qu'ailleurs. Et avec la bénédiction de sa sainteté Antanas, je parie. Des années durant, ils ont spolié les villageois. Ils croient qu'on oublie que la vérité est aussi facile à enfouir. Merci encore Bad Bull pour 14e mois. Mais ils se trompent. Je dois. Comme vous. Train de magie, armure. On va ouvrir ça. Je sais pas si une porte pourquoi, mais bon. Non, non, mais je prends une fight là. Salut petit panda, on va prendre de l'XP. Alors, ah merde, j'ai pas vu en bas à droite, attendez. Point de sauvegarde restauré, et il y avait marqué aussi. Je crois que c'était multiplicateur d'XP réinitialisé. Hein. Ok, alors. C'est ça, maintenant que je peux stocker, attendez. Point de sort, oui. Voilà, et maintenant je peux choisir en fait justement un sort. Alors, Arkin, prière, c'est ça. Et là, je peux prendre un de ceux-là, quoi. Œil pour œil, non, non. Aura protectrice, ouais, ça, c'est l'air stylé, ça. Critère de foi niveau suivant, 15. En vrai, on va continuer à essayer de monter un peu le... Voilà. Et ensuite, attribut. Voilà. Alors, c'est pas mal foutu en vrai. Hein. Vous voyez, vous gérez vos... Tac. Et là, je passe à abri 2 sur 3. Ok. Et donc là, ah, j'ai deux sorts maintenant. Alors, comment on change de sort par contre? En gauche, c'est le gantelet. Ok. Deux mains, gantelet ou bouclier. Merde. Comment est-ce qu'on change de sort? Je ne sais pas. Ah, favori. Ah, voilà, c'est bon. Ok, bueno. Donc là, j'ai plusieurs passages. J'ai par là-bas. Mais je peux peut-être surtout maintenant aller par ici. On va essayer de prendre le loot là où il faut sauter. On va rush un peu. Je sais pas s'ils ont hip-hop. Bah, les couilles, c'est le cas. Alors. Non, merde, ici, non. C'était pas ça. Faut continuer de descendre. J'ai l'impression que ça n'a pas rip-hop. Tant mieux. Ok, alors, comment est-ce qu'on chope ça? Bah, vous voyez, je suis bien content d'être allé au cristal avant. Vous voyez, c'est exactement dans ces moments-là que je me suis dit... Aller au cristal, c'était une bonne idée. C'était vraiment une bonne idée pour le coup là. C'est prêt dans 5 minutes. Ça roule la tête. Magnifique. Ça marche. J'ai pile poil. J'ai 5 minutes donc pour enchaîner les roulades dans la mort et essayer d'obtenir ce loot. Excellent. Mais je vais y arriver, je vais y arriver. Par la puissance du believe. Ah, je peux prendre un cristal. Tant que je meurs pas, j'ai l'impression que les mobs ne rip-up pas. Bah, ça m'a toujours. Ah oui, non, d'accord, ok. Ça, c'est intéressant, ok. Donc là, ça, c'est mon truc de défense. Je prends moins de dégâts. J'ai l'impression que les mobs, ils rip-up que quand tu meurs, en fait. Bon. Deuxième essai. C'est un running gag. Je sais pas si 5 minutes vont me suffire à réussir ce saut. Hein. J'espère que le loot est bien au moins. Putain. C'est ça, et là maintenant tout arrive pas, je pense. Ouais, mais pas les couilles. Hein. Je m'en fous de mourir, je veux juste mon loot. C'est toujours pas le premier chemin à gauche, je vais jamais arriver.
C'est quand je descends, c'est en face. Ok. Alors. Ah, c'est pas con ça, les légions. Bonjour à toi, je vais essayer. Le backseat est autorisé, donc je vais essayer ça. J'aime ta manière de penser. Alors. Après, mais j'ai réussi à aller sur la plateforme en sautant et en roulant. Alors la question, c'est de me laisser tomber d'où, par contre. Ah, peut-être d'ici, attends. Putain, futé! Clé des tours, objet de quête. Ah, et maintenant, je peux peut-être aller ouvrir la porte qui est de l'autre côté, là. Merci, Légion! Alors, qu'est-ce que ça ouvre de beau? Elle est verrouillée. Putain, mais nique. Ça, ça sent le... Vous savez, le truc verrouillé, mais de l'autre côté. Il va se relever, je crois. Allez, relève-toi, bâtard. Pas de soucis. Maintenant, on pourra voir où c'est la clé des tours. Ok. Bon, l'araignée, par contre, ça devait être une sorte de mini-boss qu'elle a pas du tout hip-hop. Donc, elle va être vraiment plus costaud que la normale. Bon, maintenant, la question étant, à quoi ça sert cette clé des tours? Ah ouais, je fais beaucoup plus mal qu'avant, là. Je l'ai fait il y a 9 ans. Je l'ai fait à sa sortie sur PS4. Donc autant te dire que mes souvenirs sont pas gigafraîches. Putain, j'avais raté un coffre. Secret mortel, épée courte. Alors j'aime bien les épées, mais je pense qu'en clair, je vais me faire foutre. Ah, c'est sur... Ah, il y a des épées de rogue. En vrai, j'aurais peut-être pu aimer rogue, alors. Ah là là, là, Zedos qui fait... Ah putain. Bon appétit! Bah, c'est trop tard une fois qu'on est en jeu. Ah oui, non, c'est vrai que je peux monter mes classes, c'est vrai. Je peux pas changer ma classe réellement, mais ce que je peux faire en fait, c'est juste monter mon agi. Je peux monter mon agi, effectivement. Tout à fait. Mais c'est juste, par contre, j'ai quand même un gros retard des Dark Elites de base, quoi. Est-ce qu'on peut respé? Est-ce que quelqu'un dans le chat peut me checker sur le internet, s'il vous plaît, si on peut respé? Je suis curieux, toi. Tombe pas. Ok. Je me demande si on peut respé ou pas dans le jeu. Je suis curieux. Haha, génial. Attention. Oh, y a du monde là, attendez. Il y a des monstres de votre côté. Ah bah oui, ça on a vu, oui. Ah si, le petit slow-mo. Deuxième boss du jeu. Oui, je m'en rappelle. Est-ce que je vais avoir le temps de le tuer avant la bouffe? Ah là, il arrive bien, il s'est préparé là. Ah, il est stylé. Oh, ce boubou. Il m'a enculé mon endure. Mais les dégâts! Les dégâts d'endure qu'il fait!
Voilà, tac. Salut Claude. De mémoire, il y a des ZAD qui pop. Ok, ma mémoire est bonne. Il faut que je tue les ZAD en fait avant qu'ils se libèrent, sinon je me tape les deux sur la gueule. Allez. Ok. Nice, on est bon. Oh non! Genre quoi! Putain, l'enfer! Ah ouais, c'est le pire boss quand t'es dans lui! T'as dû le défoncer toi, Lucas là! Après, ils ont pas beaucoup de points de vie, les boss, mais. Ah putain! Oh. Ok, P2. Merde, reste là, reste là, reste là, bâtard. Sérieusement? Il fait des... Tu calmes la danseuse? Putain! Ah, il bloque pas les... Oh, il fait des... Sérieusement? Il fait des vagues magiques, ce bâtard. Ok, ça le fait. Ah, son boubou bloque pas les attaques magiques, en fait. Oh. Oh. Deux ZAD là, je suppose. Ok. Ok, je reviens là. Salut Jim Jim. Putain. Faut que j'attende une ouverture en fait. C'était nul. Voilà, ça c'était pas mal. Ma barre de vie par contre elle est pas ouf. Ok, P3. Allez les ZAD, ramenez-vous. Ils sont ouf, ok. Ça pue. Ok. Non, mauvaise touche. Mauvaise touche, putain. Non. Non. Putain. Ah, merde, merde, merde. Ok, on est bon. Oh.
Ah, ta mère! Je vais crever. Je le sens pas. Ok. Putain, il a un point de vie cet enfoiré. Il fait quoi? Putain, il a un point de vie! Oui! First try. Ouh! Ça marche, The Cure. Ouais, bah non, alors. Ça me va comme ça, ça marche bien. Ouh! C'était short. C'était très short. Plus de vie, plus de heal, plus rien. Ah, c'est gentil, Lucas, merci. Et merci, The Cure. J'ai pas compris, Niben. C'est-à-dire... Salut Jean-Paul, c'est ta ouf. C'est-à-dire, s'il y aura genre des bornes pour jouer au jeu, ou ils sont sponsorisés par le jeu.